Aujourd'hui, Maria Vlevasseur, dans laquelle son exposition est dans l'espace ici au Centre Clark. Je vais commencer juste par nous ancrer sur la Terre qu'on a ici. Alors, le Centre Clark et la diffusion Clark reconnaît qu'il est situé à Totiaki, Montréal, le territoire autochtone non cédé de la nation canienne. Nous sommes reconnaissants de pouvoir exercer nos activités sur ce territoire et d'approfondir ensemble dans la communauté grâce à des initiatives telles que notre programme de résidence autochtone en partenariat avec le collectif des commissaires autochtones, ICCA. Nous remercions notre partenaire autochtone et nous avons hâte de continuer à travailler ensemble pour créer un avenir plus connecté ici à Teotihuacan, Montréal. Alors oui, aujourd'hui, je vous présente Marie-Ève. Marie-Ève est une artiste interdisciplinaire actuellement basée à Teotihuacan, Montréal. Levasseur détient une maîtrise et une Meisterschule de l'Académie des arts visuels de Leipzig en Allemagne. Et elle a participé à différents programmes de résidence, entre autres en Allemagne, à Schloss Solitude en 2020, et au Canada, à Sporobol, ainsi qu'à la Chambre Blanche en 2022. Ces installations ont été exposées internationalement, notamment à Berlin, Paris, Zurich, Hong Kong et Londres. Alors, je vais commencer par te laisser introduire l'exposition et ta pratique. Oui. Merci, Maria. Avec plaisir. Mais premièrement, pour celles et ceux qui sont présents, si vous n'avez pas eu la chance de goûter à la bière que j'ai brassée pour cette exposition, je vous invite à vous prendre un verre. Parce que pendant que je vais parler des œuvres qui sont ici, ça peut être une bonne idée de goûter aux produits de cette exposition-là. Donc, vous pouvez aller vers là où mon chum s'est rendu, là, comme ça, il va pouvoir vous offrir un verre. Puis bon, pour toutes ceux et celles qui ne sont pas là, la bière, elle est là en offrande aux gens qui viennent voir l'exposition. Donc, vous pouvez venir goûter. Donc, l'exposition se base sur l'idée de la fermentation, sur le rôle aussi des femmes dans le brassage de la bière, sur une certaine collaboration avec le non-humain, donc les levures qui nous entourent. Et c'est une exposition qui a commencé en un premier temps avec une pièce web que j'ai développée dans une web residency à Schloss Solitude pendant que j'étais en Allemagne et qui s'est déployée ensuite avec des pièces de céramique et qui a été présenté à Halle en Allemagne aussi en 2021, je crois, ou en 2020. Et c'était en pleine pandémie, c'était pas très facile. Et ensuite, ça c'est la troisième itération finalement de ce projet. À chaque fois, ça grandit. Maintenant, il y a des objets de bois pour venir accueillir les différents éléments dans l'installation. Mais peut-être qu'on peut passer par les différentes questions parce que j'ai l'impression que je pourrais me mettre à répondre à toutes les questions à l'avance. Oui, non, je comprends. Allons-y un point à la fois. C'est comme ça, oui. Ouais. OK, alors, la première question. Je comprends que cet ensemble d'œuvres a été conçu lors d'une résidence sur le web à Schloss Solitude, comme tu avais dit, ouais, en Allemagne. Pourrais-tu commencer à parler de votre inspiration initiale pour ce projet? Oui, oui, effectivement. En fait, ça fait plusieurs années que je brasse de la bière. C'est quelque chose qui faisait partie de mon quotidien de toute façon. J'avais jamais vraiment pensé inclure cet aspect-là de ma vie dans ma pratique, mais c'est par le biais justement d'une collègue artiste qui m'a proposé de faire une exposition dans une ancienne brasserie
que j'ai eu le déclic, en fait, de peut-être, parce qu'elle était comme, tu brasses de la bière, pourquoi pas? T'sais, faire une expo dans une ancienne brasserie, ce serait vraiment un lieu intéressant à habiter pour toi. Mais j'ai jamais mis la bière et ma pratique ensemble. Comment... Là, j'ai commencé à faire de la recherche sur la bière, sur le brassage de la bière, sur l'histoire du brassage de la bière. Et puis, je suis tombée sur une information qui m'a jeté par terre, parce que quand on pense à quelqu'un qui brasse de la bière, on voit souvent un homme barbu avec... une certaine prestance. Et puis, ben, quand j'ai découvert que finalement, c'est des femmes qui brassaient la bière depuis des millénaires, jusqu'à temps qu'elles se fassent peut-être un peu tasser de la business au Moyen-Âge, par l'Inquisition, la chasse aux sorcières, tout ça, j'ai été... Ben, finalement, ça faisait du sens. Ça m'a beaucoup touchée. Et puis, je me suis dit, c'est une des histoires, une des plusieurs histoires où les femmes disparaissent parce que c'était des tâches domestiques, parce que ça prend aucune place dans les livres d'histoire, ce genre d'informations-là. Donc, on a complètement oublié l'apport des femmes dans le brassage de la bière. Le brassage de la bière a aussi permis à l'espèce humaine de survivre, finalement, parce que l'eau n'était pas toujours potable, donc la fermentation permettait... De pouvoir survivre, de pouvoir continuer à vivre. Donc, c'était un acte de prendre soin des autres aussi, de brasser de la bière. Donc, ça m'a beaucoup touchée. Et c'est à partir de là où j'ai voulu mixer un peu cet univers-là, le résultat de mes recherches avec mon univers qui parle souvent de mutuelle dépendance avec nos environnements. Donc là, je parle beaucoup de la levure, et puis je fais un hommage finalement aux levures en général, mais aussi à toutes les femmes qui ont brassé de la bière et dont on ne parle pas assez. Voilà. Merci. Tu décris ce projet comme une symbiose avec l'invisible. Oui. Alors, je crois que tu as juste commencé à répondre, car c'est un hommage à la levure. Oui. Pourrais-tu nous parler de l'aspect commémoratif de ce travail, ainsi que la notion de monument et son rapport à ce projet? Oui. Si tu peux élaborer un petit peu, car je sais que tu as déjà commencé à parler. Oui, j'avais pas vu ce travail-là comme un monument, mais j'avoue que je suis d'accord avec cette idée-là, parce que effectivement, la Mother Louise, qui est juste au-dessus de cette arche là-bas, qui est une alewife du Moyen-Âge d'Angleterre, ben je lui rends hommage d'une certaine manière en la remettant en valeur ici dans l'espace. Je parle de différentes entités, souvent féminines, des déesses de la bière, qui sont nommées dans l'hymne qui est chanté dans l'espace et qu'on peut entendre aussi dans la pièce web. Donc, des déesses zoulous de la bière, des déesses égyptiennes ou la déesse Ninkasi, qui est une déesse sumérienne de la bière, qui est la bière elle-même. Ce sont des noms que j'ai eu envie de nommer, mais aussi Hildegard von Bingen, une mystique, une nonne du Moyen-Âge, une nonne allemande qui a été la première à proposer d'ajouter du houblon dans la bière pour que la conservation puisse se faire un peu plus longtemps. Voilà. Oui, en faisant mes recherches sur ce projet, j'ai lu à propos d'Hildegard von Bingen et j'ai lu à propos d'elle en avant aussi, mais j'ai lu qu'elle a dit que chaque partie de la création est une réflexion brillante de la divinité. Et j'aimais beaucoup cette citation en contexte de cette exposition, car tu fais hommage à la levure et les femmes qui ont créé la bière d'une façon tellement belle, comme refléter leur place dans le monde un petit peu comme Hildegard dit dans cette citation-là. Ouais, exactement. Mais je suis partie pour commencer, en fait, cet univers-là dans le web, mais ce qu'on retrouve aussi dans l'espace, je suis partie de l'hymne à Ninkasi, justement, cette déesse sumérienne de la bière-là. Donc, les deux pièces de bois qu'on voit de chaque côté du frigo à bière, donc qui font face à où est-ce qu'on est assis en ce moment, c'est une espèce de traduction en bois de tablettes d'argile qui ont été trouvées par des archéologues. Et c'est un texte, bon, j'ai eu accès à une traduction anglaise,
16 de ce texte-là, et qui est très poétique. C'est l'hymne à la déesse Ninkasi. C'est aussi probablement la plus ancienne recette de bière à laquelle on a accès aujourd'hui. Et c'est à partir de cette recette-là que j'ai basé ma propre recette. Donc, ce que vous pouvez boire ici aujourd'hui et bien, pendant n'importe quel jour de l'exposition, si vous voulez venir goûter, c'est une bière qui est brassée avec des dattes, avec du miel, avec du gingembre et de la coriandre. Et c'est un breuvage qui se veut... ancien, disons, je l'ai basé justement sur cet hymne-là. Donc, l'hymne en soi, je l'ai un peu réécrit. J'ai réécrit le texte pour l'actualiser, pour nommer justement des femmes qui ont brassé, les titres qu'elles avaient, parce qu'aujourd'hui, on parle seulement de brasseurs. Steven l'écrit assez bien dans son texte en disant que brasseresse qui est en vieux français, quand il écrit dans son logiciel de traitement de texte, il y a toujours une erreur. Mais pourtant, brasseresse a existé longtemps et puis finalement, il n'y avait pas de brasseur, vraiment. C'était plutôt une minorité s'il y en avait. Et donc, c'est assez particulier, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un peu perdu le fil de mes, idées. J'ai trouvé vraiment intéressant quand tu avais dit en avant que les femmes ont été comme tassées, la brasseur, dans les Moyen-Âge, pendant la... L'Inquisition. Chercher des sorcières, car ça semble que peut-être quand les femmes ont des pratiques que les hommes ne comprennent pas, peut-être c'est facile à juste les... dire que c'est des sorceries. Il y a plusieurs similitudes iconographiques, en tout cas, entre la figure de la sorcière et la figure de la brasseresse que j'ai pu remarquer à travers mes recherches. Entre autres, on voit ici sur la petite table, il y a une image qui est tirée d'une gravure où on voit une femme devant une petite maison où au-dessus de la porte, il y a un balai. Et à l'entrée de l'exposition, j'ai aussi posé un balai au-dessus de la porte. C'était un ale stag qui appelait. C'était pour indiquer que la bière était prête au Moyen-Âge, donc en Angleterre en tout cas. Pour inviter les voisins, les voisines à venir la boire parce que la bière ne se conservait pas assez longtemps, donc il fallait la boire. Un coup qui était prête, il fallait venir la boire. Donc, avec le balai au-dessus de la porte, ça indiquait à tout le monde, voilà, la bière est prête, je vous invite à venir la goûter. Donc, c'est mon petit geste aussi pour vous inviter à venir déguster cette bière. Et il n'y avait pas seulement ça, le balai, il y avait aussi, bon, évidemment, il y avait beaucoup de grains dans les maisons pour justement brasser, mais aussi pour faire le pain. Donc, ça attirait les souris. Ah oui. Et donc, les femmes avaient besoin de collaborer avec des chats pour chasser les souris qui s'intéressaient aux grains. Elles portaient aussi souvent, en tout cas en Angleterre, des chapeaux coniques, parfois tronqués. Parce que sur les places de marché, c'était extrêmement... il y avait beaucoup de gens. Et pour se faire voir de loin comme des brasseresses, elles avaient ce chapeau particulier. Elles avaient une coiffe particulière, donc pour que les gens puissent savoir, OK, elle parle là, la bière. Tu sais. Donc, ça fait plusieurs éléments qui coïncident avec la figure de la sorcière, en tout cas de la manière qu'on la connaît aujourd'hui. Et bon, en plus d'une femme avec un fourquet comme ça, les espèces de trucs là, qu'on voit derrière nous, qu'on retrouve sur l'étiquette de la bière ou un peu partout finalement dans l'exposition, ce sont des fourquets. C'est avec ça qu'on brasse le grain dans la première étape de brassage qui est l'empâtage. Voilà. Merci de répondre. Je vais continuer à ma question. Tu as déjà répondu. Je crois que tu as déjà expliqué, mais dans tous les aspects comme historiques de l'exposition et aussi des sculptures qui référencent ces aspects historiques. Oui. Alors oui, merci de ça. Oui, peux-tu nous en parler de votre approche et processus de travail avec le compositeur Johann Gross pour reformer l'hymne du Ninkasi, à revenir sur ce sujet un petit peu? Johannes est un ami et un compositeur qui a beaucoup d'expérience avec les chants a cappella. Et bon, j'imaginais en fait que cet hymne-là, parce que l'hymne à Ninkasi,
comme c'était une hymne qui décrivait un peu les différentes étapes de brassage et qui se répète aussi, qui est assez poétique, j'ai imaginé, en fait, je me dis, ça devait être chanté, ça, pendant que les femmes brassaient, un peu comme dans la tradition orale de transmettre le savoir. Donc, je me suis dit, ben, faudrait que l'hymne, de la manière que je l'ai réécrit, faudrait qu'on puisse le chanter aussi. Faudrait qu'on puisse l'entendre dans l'espace. Et je lui ai demandé de composer cet hymne-là comme si c'était de l'eau qui coulait. Et il y a des parties de l'hymne qui sont particulièrement coulantes. Enfin, vous l'écouterez plus tard, ou on pourra l'écouter peut-être dans la vidéo, un extrait. Oui, exact. Mais c'est dans toute l'exposition, en fait, il y a toujours un certain rappel à l'eau, au fluide, parce que l'eau, évidemment, c'est la source de la vie. C'est aussi la source, ben, c'est aussi l'ingrédient principal de la bière. Donc, il y a très peu d'angle droit dans mes différentes propositions dans l'espace. C'est un peu pour cette raison-là. Ouais. OK, chouette, merci. Dans un entretien avec Mara Johanna Colmel pour l'Académie Schloss Solitude, tu dis que le numérique n'offre pas encore l'assurance de son potentiel d'archivage. Ouais. Et que c'est peut-être la raison pour laquelle, dans ta pratique, tu t'accroches encore à la matérialité. Oui. Oui. Pourrais-tu en parler davantage sur cette notion et préciser les tensions entre les composants numériques et céramiques de votre travail? Ouais. Numérique et matériel. Ouais, donc la première pièce de l'exposition, ou en tout cas la première que j'ai produite, c'était l'œuvre web. Mais le web, le digital, comme je disais dans cet entretien-là, on a beaucoup d'incertitudes quant à l'archivage de ces œuvres-là, de quelle manière on va pouvoir avoir accès. Déjà, on a de la difficulté à avoir accès à certaines vidéos qui étaient sur VHS parce que ben, des magnétoscopes, il n'y en a plus ou on n'en trouve à peu près plus. Et puis, c'est des supports qui se dégradent aussi assez facilement, assez rapidement. Donc, j'aime beaucoup l'idée de travailler, en fait, avec une matière comme la céramique, qui est la matière qui a fait en sorte qu'on a pu avoir accès à la recette, à l'hymne à l'Inkasi, justement, parce que c'était de la terre cuite. Ben, on a accès aujourd'hui, presque 5000 ans plus tard, à une histoire à laquelle on n'aurait pas eu accès si ça n'avait pas été à travers cette matière-là. Donc, la tension entre la céramique et le numérique, je la trouve super intéressante, puis j'ai envie de continuer à l'explorer. Il y a aussi que la matière vit un peu de sa propre vie. C'est quelque chose de très humble de travailler avec ces matières-là. Et là, pour la première fois, j'ai fait un peu le chemin inverse. Je suis passée par le numérique, là, pour les objets en bois. Je suis passée par le numérique pour travailler la matière du bois avec la CNC. Donc, à travers un mesh que j'ai modelé moi-même, puis je l'envoie ensuite à la machine pour qu'elle me grave ça sur le bois. Et là, j'ai découvert un univers qui me fascine complètement. Je pense que c'est une belle traduction, une belle mise en matière de la matière numérique que je travaille déjà depuis plusieurs années. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle porte qui vient de s'ouvrir pour moi. J'ai bien hâte de continuer ces recherches-là. Oui, au sujet des céramiques, je crois que c'est assez rare de voir des céramiques montrées avec des œuvres numériques. Oui. Et pour moi, je l'aime beaucoup car je trouve que ça nous force à contempler un petit peu cette présence humaine et cette présence analogue, que quand on voit seulement une œuvre numérique, on peut oublier qu'on ne doit pas nécessairement contempler cette tension entre la matérialité et l'humanité. Et le digital, le numérique. Ouais. Mais quand les céramiques sont là, on doit vraiment, comme on sent dans notre corps, cette tension, comme pour moi, je le sens. Ouais, ça nous rappelle aussi qu'on a un corps, c'est ça qui est intéressant. Mais la bière nous le rappelle aussi très bien parce que c'est un plaisir qui est très charnel d'une certaine manière. Donc, dans l'exposition, je pense que c'est quelque chose que j'aime, qu'on n'oublie pas trop qu'on a un corps. C'est bien d'en prendre soin. Oui, en fait, ça nous amène aux dernières questions. Comme dans ta pratique, comme tu es juste en train de mettre l'accent vraiment sur la corporalité, cette notion d'être dans un corps,
ainsi que sur la collaboration avec des entités ou des forces non humaines. Peux-tu parler à ce sujet, en particulier en ce qui concerne ce projet? Oui, bien, je pense que j'ai pas mal nommé certaines affaires justement oui. par rapport à nos mutuelles dépendances avec nos environnements. Et puis là, j'ai parlé des levures et puis je pense que j'ai envie d'en reparler parce que c'est quelque chose évidemment qui est microscopique, qu'on ne voit pas, puis on l'oublie assez facilement, mais ces levures-là, elles nous accompagnent. Et je les ai remerciées aussi dans le paragraphe de remerciement dans l'exposition. Ce sont des entités qui finalement font en sorte que c'est possible de vivre la vie qu'on vit. Donc, je trouve que c'est une belle collaboration avec le non-humain. Et on tend à l'oublier en tant qu'être humain. Je pense qu'on s'inspire beaucoup de ce qui nous entoure. Parce qu'on tend à se positionner de manière verticale au-dessus de nos environnements, ce qui, je crois, est une grande erreur. On tend à oublier les petites choses qui font en sorte, finalement, que nous aussi, on peut survivre. Oui, ça nous amène ouais. à comme votre titre aussi de l'exposition, ouais. Symbiose avec l'invisible, passerelle mm-hmm. symbiose avec l'invisible, car on ne voit pas la levure et ces mm-hmm. éléments de la nature qui nous soutiennent, mm-hmm. mais en fait, ils sont là. Alors oui, c'est là dans le titre aussi de l'exposition. Et, ouais. oui, c'est une ça. Magnifique collaboration. Oui. Merci à la levure. Oui. Ça termine la discussion et je vais juste prendre un moment aussi à remercier Ubisoft qui finance tout notre programme de médiation culturelle tant que cette discussion-ci et aussi à AIM et à Jessie de filmer et captionner cet événement. Et merci à tout le monde aussi de nous joindre et voilà. Santé!